Il y a quelqu'un qui fait ce que je fais de près ou de loin dans tous les domaines vivants ou de spectacle. Je m'appelle Erika Maheu Chapman et je travaille comme assistante à la mise en scène et régisseur en théâtre et en art vivant. On est dans une salle de spectacle, la salle Luigi Duvernay du Monument National. C'est ici que j'ai passé une grande partie de ma troisième année en tant qu'étudiante. Une assistante à la mise en scène, ça assiste le metteur en scène du début à la fin d'une production. C'est comme si j'étais la personne qui aide le capitaine de bateau à naviguer. Dans le cadre d'une représentation, je vais être sur les ondes avec quelqu'un qui est au centre. Puis après ça, quand c'est le moment de faire un déplacement, une manipulation, je vais lui donner son go, puis la personne va le faire. Je dois m'assurer que tout le monde sait dans combien de temps les gens entrent, s'il y a un retard, s'il y a un bug quelque part. Il faut que je continue de donner des cues d'éclairage et de son en trouvant une solution, en parlant, en déléguant des tâches. Mon parcours en théâtre a commencé au secondaire. Je jouais. Fait que quand j'ai gradué, je voulais aller apprendre à jouer professionnellement. J'ai réalisé que ce qui m'intéressait, c'était le processus. Explorer le personnage, mais de le faire sur scène, ça ne m'intéressait pas. Puis c'est là que j'ai découvert que faut le planifier, le spectacle, faut le créer. Fait que je suis tombée sur l'École nationale. Je trouve ça le fun parce que j'ai des liens particuliers avec tout le monde. J'ai des liens super intimes avec les comédiens et comédiennes parce que je les vois dans des états de vulnérabilité, puis eux comptent sur moi, je les aide durant les répètes. Il y a autant de manières de faire de l'assistance à la mise en scène qu'il y a de gens avec qui je vais travailler. Mon poste va m'amener à collaborer sur plein de productions différentes, avec plein d'équipes différentes. J'adore ça parce que chaque salle a un défi différent, une manière de faire différente, un public différent aussi. Fait que je suis fière d'où je suis, puis je suis fière d'où je m'en vais aussi. Là, si je commence ma carrière là-dedans, mais j'aimerais vraiment ça faire de la tournée, comme le halftime du Super Bowl, mettons. Là. Des affaires comme ça, le gérer, puis être en régie de Jeux olympiques, des choses comme ça, là, ça, c'est des choses que j'aimerais faire.